Bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre quickie. Oui, un peu particulier parce que vous me voyez porter le t-shirt Loot Crate. Et vous voyez une boîte Loot Crate avec l'ancien logo. On se souviendra que lors du dernier unboxing, on avait unboxé la Loot Gaming et que cette boîte-là avait le nouveau logo, le L et le C formant un cube. Alors qu'ici, on a encore le Crate, voilà. Donc, non, ce n'est pas une Loot Crate, ni une Loot animée, ni quoi que ce soit. C'est pas une boîte à abonnement, c'est un achat que j'ai fait sur Loot Vault. Un peu comme Shirt Punch ou la boutique Nerd Block, où est-ce qu'on peut acheter des items des boîtes passées pour Loot Crate. Et dans ce cas-ci, c'était une boîte que j'étais abonné, je vais vous mettre le lien en annotation. J'avais reçu un article qui m'a beaucoup plu. Mauvais personnage par contre, les plus astucieux d'entre vous l'auront déjà découvert. Ne tardons plus de temps, on est là pour un quickie. Donc allons-y. Je vais vous dévoiler ça immédiatement. Voilà, je vous le dévoile, il n'y a pas de surprise. C'est la petite boîte. Donc vous voyez, c'est une boîte qu'on peut retourner. C'est vraiment une ancienne boîte. Mais je ne me souviens pas quelle boîte était-ce. Donc si l'un de vous la reconnaît, parce qu'elle est vraiment petite, veuillez me le dire en bas de l'écran, en commentaire. Donc, on y va. Oui, c'était le Geeky Tickies de la box Origins. On avait reçu un petit verre à shooters, des Tortues Ninja. Moi, j'avais reçu Michelangelo, mais je voulais Raphaël. Maintenant, j'ai Raphaël. Je suis tout heureux. Donc, rien d'autre. C'est sûr que j'aurais voulu avoir le set. Malheureusement, ça me revenait quand même à vingtaine de dollars avec le shipping. Donc pour avoir les 4, ça m'aurait coûté une soixantaine de dollars de plus. C'est sûr que le shipping aurait peut-être été moins cher si j'aurais pris tout ensemble. Non, c'est surtout pour la décoration. Je vais les mettre bien en évidence en décoration. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous étiez souscrit à cette box-là, la Loot Crate Origins? Et si oui, quel personnage avez-vous reçu? Est-ce que c'était la Tortue Ninja que vous vouliez? Ou non? Et sinon, laquelle aurez-vous voulu recevoir? Et est-ce que vous allez la chercher sur Loot Vault? Ou seriez-vous allé si vous auriez su? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Encore une fois, merci d'avoir fait partie de ce quickie. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.